On transforme une pause milky en une pause baby boomer au remplissage. On commence par aplatir toute la surface de l'ongle. L'objectif étant de retirer l'apex et d'obtenir une surface la plus lisse possible puisqu'on va réaliser du presque sans image par-dessus. Une fois que c'est bien lisse, on va s'occuper des cuticules. Donc on commence par repousser et on va utiliser la petite flamme bleue pour venir nettoyer tout le pourtour de l'ongle ainsi que les cuticules. Donc je commence en forward puis en reverse. On passe à la coupe des cuticules. Ici c'est un ciseau Stalek avec un embout 240. On vient lisser et matifier l'ongle en totalité. J'utilise ma lime pour déjà définir ma forme à l'avance qui s'est forcément un petit peu usée. On enlève toute la poussière, on passe le nail fresh pour déshydrater et on va venir appliquer notre gel de base, ici bien sûr la base universelle. On vient polymériser pendant 30 secondes et se munir du gel pink de la gamme de construction sans l'image. On fait une couche de navigation sur l'entièreté de l'ongle et on va venir mettre notre billet de renfort près des cuticules. Le gel se place assez facilement et je retire l'excédent sur la pointe de l'ongle puisque je veux garder le gel blanc au maximum. Je me sers de mon pinceau liner pour bien dégrader, je retourne le doigt et on va polymériser. Une fois fait, on peut venir dégraisser et je vais ajouter un petit coup de lime vraiment pour faire ressortir le blanc du baby boomer seulement. Ensuite, on passe un petit coup de buffer pour enlever ses rayures, on passe la finition et on obtient notre baby boomer très facilement grâce au gel sans image. Salut les addicts!